Bonjour chers tous. Bonjour à vous. Bino Batubozui, déjà l'habitude de nous suivre. Lelo Tozali n'a souci à vous partager. Na Bino sur la situation et à pays de manière générale et surtout la problématique et la gouvernance dans notre pays. Banalise toza ko sala toza ko zwa feedback toza ko yo kaba réaction ya mingi na kati na bino ba te belé baza ko réagir positivement bande ko mususu baza ko mona que nous sommes trop direct, c'est-à-dire que il fallait ki to luka ko aménager nos propos, mais peut-être que les gens ne veulent pas contextualiser les choses. Dans nos analyses, on ne s'attaque pas aux individus tels que les gens veulent donner l'impression. Mais tout ça qu'on l'obéla plus sur la problématique et la gouvernance. Ici, nous sommes dans l'analyse. Ici, nous ne sommes pas dans des déclarations politiques. Et de ce fait, tant que tout ça qu'on l'oba, tout ça qu'on l'inga qu'on sosolisa. Bande qu'on a dit, oh, bah, il n'a pas ça. Il y a quoi apprendre, qu'on sosolisa bango, ce que nous pensons par rapport à un sujet donné. Ce qui fait que nous entrons vraiment dans une certaine mesure en profondeur pour nous permettre de comprendre. Ndekoja Marie Luviluka Diazabakana Mbotenayo, je crois qu'elle est déjà partie à Paris. Merci beaucoup. Nandenge Boza Kolanda. Et puis je vois déjà, il y a 27 personnes au Baza Kolanda et c'est déjà une bonne chose. Alors, bon, mais ça n'a déjà, il y a comme on a rabisso très souvent. Parce que tout à l'heure, on a posé ensemble avec vous, Tokoka, pour réfléchir sur la situation, il y a pays. Alors, dans le cadre, et à réfléchissons ensemble, mais réfléchissons bien. Lelo, Toza Kolobela sur la situation du pays, Toza Kolobela sur la situation et la gouvernance. Et cela va nous permettre à nous tous, Yakoyeba, comment Makamboza a évolué, pour que personne ne soit emporté par les émotions. Et ça ne serait que justice. Ndeko Ismichi, je crois. Ismichi. Makwala, bonjour à vous. Déjà à partir à Chicago, États-Unis. Bonjour. Monsieur Tarpe, camarade Tarpe, bonjour à vous. En tout cas, merci à partir à Brazzaville. Vous êtes très nombreux de nous suivre. Je voudrais aussi, Yakoloba, mention spéciale. Na bande ko na biso nyonso ya basala ka ba chaîne ya YouTube. Boza ko relayer nos analyses et je vois dans certaines chaînes 32 000 vues, 14 000, 15 000 vues. Et derrière ces vues là, certainement qu'il y a aussi des familles entières qui nous suivent. Et merci vraiment na bande ko na biso ya ba militaires, ba policiers. Oyo baza ko zanga courage ya ko encourager biso te. J'étais quand même surpris de voir qu'il y a même nos amis de l'UDPES, Bandegonabiso et Union Sacrée, Oyo Basere Soussarapé, dans ce que nous disons. Et certains d'entre eux ont eu le courage de nous féliciter. Ce qui veut dire que le travail que nous faisons a une vocation plus pédagogique que politique. Alors, Eloko Tosengeli Nabiso Nyon Sotoyeba, Ezali Boy, Ezali que nous n'avons pas le monopole de la connaissance. Nous sommes en train d'analyser tous sur des questions d'État, de tous les jours, de tous les jours, Ndeko Yamba Yamba, Jean-Marie, bravo à vous, merci à partir à Toronto, on est ensemble. Nous sommes en train de réfléchir sur certaines questions et donc chacun de vous peut émettre son point de vue pour qu'ensemble, Toyeba, Kosangisa Makanisi. Il y a possibilité de nous appeler. Vous avez la capacité à quoi intervenir. Vous pouvez combien à Bisso, prenez le numéro, na plus 243 97 034 58 78. 97 034 58 78. Ndeko Mwamba, Mbote Nayo et Sika Ozali. En tout cas, nous sommes très heureux. Yakoyoka Bino, Yakomona Bino. Les lots par vos réactions. Alors, le loto lingato lobela nini. Le loto lingato lobela sur la situation et la gouvernance de manière générale afin que toi yeba ko tirer de bonnes conclusions
oyo ekoki kosunga biso ya koyeba kopesa des orientations d'abord par rapport à notre parti levons-nous et bâtissons mais aussi par rapport à tous ceux qui veulent n'est-ce pas faire un travail de fond avec dans le cadre et à politique pile s'il vous plaît dans le cadre et à politique afin que Toluka Toluka Komema le changement tant souhaité par tous. Voilà, Ndekwalobi soki moyen ezali tokoma numéro. Ouais, je vais essayer. Je vais essayer, c'est une très bonne idée. Bravo à vous. Tomeka ko koma numéro justement. Pour na ko permettre Ndeko oyo balingi ko intervenir. Ba intervenir. Et vous êtes libre ya ko émettre votre point de vue. Mais dans le respect, il y a bah, droit, il y a réaction paix à Banega Moussous. Voilà. Nous allons parler de la gouvernance de M. Félix Tshisekedi. L'autre fois, nous avons tenté de faire le bilan et je me suis rendu compte que Batebele va apprendre beaucoup de choses. D'abord, sur le comment on évalue la gouvernance par rapport à la phase, par rapport à l'exigence scientifique, mais aussi. Comment évaluer la gouvernance sur le plan sociologique. Et nous avons tenté de donner certains éléments. Mais aujourd'hui, Tolingi, ensemble avec vous, Tolobela sur la problématique et la gouvernance, mais aussi sur les éléments qui empêchent à ce que le pays soit bien gouverné. Nous allons parler dans les cadres et réfléchissons ensemble et réfléchissons bien sur la situation globale du pays. Aujourd'hui, nous resterons toujours pédagogiques. Mais on ne va pas se focaliser sur un élément. Mais on va plutôt brosser le tableau, n'est-ce pas, sur la situation de manière générale. Et on va essayer ensemble avec vous, Yakobi Missa, les grandes faiblesses de la gouvernance. Pas seulement de M. Félix Tshisekedi, même Yabato Bazaki avant et même Yabato Bakoyukoya après. Aujourd'hui, j'étais en contact avec un groupe de gens. Oyo ba contacta kingai ensemble ba bandi ko betela ngai ma solo ya situation sécuritaire dans la partie est du pays ndenge to lo ba boy le M23 au niveau international bazako lakisa que c'est monsieur Félix Tshisekedi qui viole les accords oyo ba signaki na Nairobi na na Luanda. Bazako loba que yé accueilli pour recruter ba mercenaires et ce sont ces mercenaires là oh ndé bazali à cause na bango ndé ba congolais aujourd'hui bazako continuer cause à la tuer justement parce que monsieur Félix c'est qu'il n'aurait pas respecté les accords tels que souhaités alors et donc on a ngina loba d'abord au départ ezali boy. Et ça dit qu'on ne peut pas demander à un président d'un pays de croiser les bras et de ne pas réagir lorsque l'intégrité territoriale de son pays est mise en mal. Ça, c'est déjà un principe que nous devons tous insister sur. Parce que en tant que président de la République, la défense de l'intégrité territoriale, c'est un droit, mais surtout un devoir sacré. Et donc, et ça dit qu'en matière oyo, Bakoki Koksenga na l'État congolais a croisé les bras. Sauf si on considère le M23 comme une rébellion. Parce que quand on parle de rébellion, on sous-entend que ce sont des Congolais. Ce sont des Congolais qui se sont organisés pour s'opposer. S'opposer contre le régime en place afin que va faire entendre leur voix. Et que Baluka Komema changement. Yango Moni, pendant plusieurs mois, on disait à M. Félix Tshisekedi, attention, n'identifiez pas le M23 comme Bato Yobazali, ba rebelle. Ce ne sont pas des rebelles, ce sont des agresseurs. Et nous l'avons dit pendant une longue période. Parce que nous savions que ce qui M. Félix Tshisekedi, à la qu'on continue à identifier Bango comme de rebelles, et naturellement, sur le plan international,
on risque de croire que nous sommes en conflit entre nous, et c'est ce qui justifie assez que la solution est la meilleure, ne soit que politique, diplomatique, et ainsi de suite. Or, derrière le M23, il y a le Rwanda, il y a la vision Imatuch. Ce qui sous-entend que la confusion qui a régné pendant tout le temps, lorsque nous nous identifions le Rwanda et le consort, ça devait plutôt être optimisé, n'est-ce pas, pour que tôt arrivé, il y a que le bas à la face du monde, qu'effectivement, il y a un sérieux problème. Il vous souviendra que à l'époque, il y a Kabila, il y avait des démarches qui allaient dans ce sens-là. Au Totanaki même, l'ambassadeur Ignace Gata, il avait insisté sur le fait que ce sont les Rwandais qui étaient derrière la crise dans la partie Est. Et là, il était na kati ya Conseil de sécurité. Et naturellement, cela a permis par la suite à ce qu'il y ait la condamnation de la communauté internationale. Tout ça, qui nous sont tous les soi-disant ceux qui sont derrière le Rwanda, tous les gens contre les murs. Pour que Bayeba qu'on lâche prise et Yango et Salagi que la situation il y a M23 ait évolué dans une certaine mesure. Donc le fait seulement qu'on n'a pas su identifier, on n'a pas su qualifier le fait Oyotwane Kolobela, cela ne nous a pas avantagé parce que aujourd'hui Toye Bibi Sonyon Soke, au niveau de la communauté internationale, on considère le M23 comme un groupe rebelle. C'est ce qui a justifié par ailleurs que le secrétaire général des Nations Unies a le gouvernement congolais bah, de négocier parce que Bazago considérait le M23 comme une armée organisée, une armée structurée et équipée. Et aujourd'hui, nous nous rendons compte qu'il y a effectivement un problème. Un problème, il y a identification. Un problème, il y a nature que l'on donne à ce qui s'est fait alors que Bissotou Toyebi, il y a le Rwanda derrière. Et le Rwanda cherche à se dédouaner par le fait que ceux qui font la communication, il y a M23, Bazako insisté que Bazali va congolais. Et dans leur stratégie, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris quelqu'un qui n'est pas le nôtre, qui est de nôtre. Obomoni Wilingo Mawana, militant à IDPS, commissaire porte-parole. La même stratégie, Nenge Basalaka avec Afdel, Bazwaki, ba congolais, ba pesi bango ba responsabilité pour que cela épaisse à la nature, épaisse à le Congo comme à le quoi d'origine congolaise. C'est comme ça que Bomonaki, ba tchaki Laurent Désiré Kabila, Bangandu Lissassou, Bangandu Massassou, bango nyon soana, ba zaki ko assume ba fonction, ti eko comme à niveau ya RCD, ba eko zwa, ba papa na biso, ba mende, ba. Ba tambwe mwamba, ba zui ba ondekane, ba onosumba, ba zui ba bosekota, ba zui ba tebele. Oh, ba zwa ki, ba tche bango, na kati ya rébellion na bango justement, ya agression na bango justement pour habiller ça. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, nous sommes dans la même réalité. On prend nos frères, ba tche bango, ba bimaloko ba papier peint pour voiler, cacher la réalité, il y a mur au Edali derrière. Ce qui fait que les gens sont attirés par le papier, mais alors qu'en réalité, derrière, ces gens-là sont là. Et donc, quand il n'y a pas ces aïnés, au-delà de l'audio et Tamboli, notre armée est trahie en interne par le fait qu'il y a des dirigeants congolais, Oyo, Bazako sala ndenge bakina balobaka stratégie ya tindika tchakal. En même temps, baola kisabino que ils sont prêts à se battre pour le pays. Bazako pousser ba militaire na biso ba kene bitumba. En même temps, ils posent des actes qui mettent en mal les opérations sur le terrain. Comment voulez-vous un général oyo azali ko lancer ba opération, abandi ko attaquer bato yo bazali contre bazali banguna ya pays, azali ko attaquer bango? A EBC, bango que voilà, nazana ko attaquer, nazana posa à renfort. Renfort sur le plan logistique, renfort sur le plan humain. Voti de langa ba renfort, pour na attaquer bango. Qu'est-ce que le général Luana a constaté? Plus baza ko attaquer, le gouvernement a prometta ki bango, ou le commandement armé a prometta ki bango, a kotin de la bango,
ravitaillement 2 jours après. Mais bah, il faut se rendre compte que ce ravitaillement, on a, il coma quitté. Tant que comité, le 1-23 va comprendre que Bazan a ravitaillement, Bango Suko, Basseri ravitaillement, et comme ça, là, qu'ils sont devenus plus équipés et consorts, bah, ils ont frappé notre armée, bah, ils ont kima, ne, bah, ils ont zoa, moka, option de tozo, les asko, kichangawan. C'est-à-dire que, ezali, faute, il y a manque, il y a planification, faute, il y a manque, il y a coordination, faute, il y a manque, il y a suivi, il y a bah, opération. C'est ce qui fait que nos militaires, bien que vaillants, bah, là, qu'on se heurtait, n'a pas contradiction à ma politique, oyo, ma cousine à Bango, baza kotia. Parce que je ne vois pas l'importance d'un militaire en armes sans munitions. Yango omoni baza kolela, baza koloba ki voilà, tozali na posa ya kobunda, mais on n'est pas accompagné. Et le ministre en charge de la défense, aza koloba, na général, que voilà, au-delà de tout ça, il y avait aussi un problème, il y a ration. C'est-à-dire que ma soldat n'a biso ba obunda na nzala. Ba obunda na nzala. C'est-à-dire que déjà l'ikolo, bozo mona ke bato ba na posa ko bunda, ba obunda po na ekolo, mais na sima baza ko comprendre que ba konzi ba obundisa bango en levant des options contradictoires, ce qui fait que aujourd'hui nos militaires ne sont pas capables de se battre. Mais je peux vous dire aujourd'hui, au regard de l'information, si le gouvernement congolais a été en train de poser, il y a aussi dit ça, Makambuya M23, et il y a qui Makambuya M23, et il y a déjà la partie il y a mois de mars. Et il y a qui l'a déjà à partir il y a mois de mars. Mais le col à Bango Moko, Bazali, ba co-auteur, Bazali, ba complice. Il y a un moment où il y a entretenir la situation. Il y a un moment que ma cambouana est en malamouté. Parce qu'au départ, le M23 est une invention de ce gouvernement. Dans le lobby, il y a quelque part, il y a un moment où il y a un moment où il déborde. Comment vous pouvez rendre le gouvernement? Êtes-vous en mesure de prouver que les alliés sont seuls ma cambouana? Est-ce qu'un gouvernement peut-il sacrifier un mot canaillé pour quelle fin? Soyez calme. Bon analyser la chronologie des faits. Beaucoup se rendent compte. Beaucoup se rendent compte qu'effectivement, ils sont en complicité avec ces forces. Premier élément. Le M23, Bakomaki inoffensif. Kobanda 2014, titre 2019, personne n'en parlait. Parce que le M23 était dissous. Monsieur Félix, c'est quel accès de pouvoir en 2019? A Longwe, a Kei Kokutana Bato M23. Na Rwanda. Basololi Kuna. Bayokani. Babenga bango, baya na Kinshasa, pour que ba continue ba pour parler. Bazui bango, baya na bango na Kinshasa, 2019-2020. Et pendant tout ce temps, peut-être que beaucoup, désolé en tout cas, pendant tout ce temps, peut-être que vous se rendez qui quantité, vous se rendez qui quantité, ces gens-là étaient chez nous. Bah, ça les 14 mois. Essayez de voir ce que ces gens ont fait. Ils ont sillonné, ils ont circulé dans les grands centres. Ah, on a Kinshasa. Bakéi kota la bakan militaire. Basilisi kota la bakan militaire. Ah, on a Kinshasa. Balongoli bango bakéna bango na Mbanzangungu. Une base stratégique de l'État.
Parce que Yangonde ezali esika oh bachaka ba blender tout ce qu'il y a comme minduki na biso ya guerre nde kuna esika za. Et puis ezali centre oyo ba renforcer la capacité ya ba militaire kuna. Ba memi bango kuna ba sisi bazongi. Ba yokani nini? Ba yokani ba créer 4 brigades. 2 brigades ba pesa ba M23. Une brigade va payer sa MLC, une brigade va payer sa général Mounene. Ça fait 4. C'est-à-dire qu'on devait nommer 2 généraux de brigade. Tant que Basali, Bilogona Bangoana, BBC na Bango, Bata M23, Basali la liste et militaire na Bango, Batine la gouvernement pour que Baye Bako mette ça la courante opérationnelle, Makambu Oyo, Bango, Basali, Koloba. O Bango Bayo Kanake. Le M23 tango ba yoki boye. Ba komi siko ko sa net appel. Ko benga batu ba ya pou ke ba kokisa nombre ya batu. O bango ba lobaki ba sa ki déclaration. Ba komi siko ko benga batu na bango ya kala. Na ko benga batu na bango. Batu misusu o ba zaki ya bango te. Pou ke ba sa la liste. Ba ebisi batu ba ya. Nature automatiquement. La raison o yo bango ba komi le lo fort. Et là, le fait que Bango Bazaki en contact avec le gouvernement, le col a baébi qu'il y a une loi d'amnistie, où il peut permettre que Bango va réinsérer armée, bas ou grade, bas comme il consacre la liste et abattu na Bango, oh bas quoi assumer la fonction dans l'armée, ce qui a fait que et comment que le col a fertilisant. Et c'est sur base de ça, ne battu Moussou Bazaki na armée na biso. Tant que baébi que ce qui va continuer na M23, kobima na bango bako koma na ba fonction, na ba grade, na ba fonction, ya likolo, lokola ba ebi ke se salema dans le passé, yango omoni ba tumsu ba laki na armé na biso, ils ont traversé de l'autre côté. Po ba ebi ke, maka mounenge za kokende, yango ezo salema. Bo tala ba fe oyo, bo koma yango na papier, bo bomba yango malamu, ata biso lo biso ni togo zala rate, boye ba konote yango. Pendant que le M23 était ici, c'est en ces moments-là qu'ils se sont reconstitués. Ici, na Kinshasa. Ba se reconstitué, ba komi siko ko se préparé, pona ko kota na armée, na ko za réinséré na armée. Tangu ba moni, ke makambu oyo ba yokanaki, na gouvernement, Ezako Simbate, c'est en ce moment-là babandi ko tcha pression. Tango babandi ko tcha pression, ba eko zwa moyen o epesa melaki bango et aujourd'hui, ba tu ba komi ko douter kutu soki makambo yo mongo bango bazwaki soki utaki awate. Tango ko zwa fait ya M23. O sangisi na dossier ya Freeland Face Bank. Soko juxtaposé yango au commun que la situation, il y a création, il y a M23 en tant que organisation opérationnelle, na makambu ya mbongo oye bungaki, oye babimisaki na Freeland Face Bank, na liwa ya mokonzi ya Freeland Face Bank, ezako coïncidé. Alors la question ba twala komi posé, est-ce mbongo ya Freeland Face Bank nde soutenaki ba opération pour que le M23 ba longwa na Congo. Ba kendaki maboko ba longwa na Kinshasa. Ba kendaki maboko pamba. Comment sont-ils arrivés? Ya kozwa première localité. Alors que le gouvernement congolais a yebi ke batouana bazawa na Kinshasa. Kinshasa po na kobima. Soit toleki nzela ya Congo central po na okene Angola. Soit toleki nzela ya Congo Brazza. Na nzela ya bichi po na koleka Congo Brazza. Soit okoti na masu obimi l'équateur. Oke kobima la kuna ya bakisa. Tangani poko mana est. Des gens qui sont invités chez nous. Certainement que ba document na bango, ya ba militaire bazaki nango esusute. Certainement que leur identité et koyo kozala maîtriser par des gens. Comment sont-ils arrivés à quitter Kinshasa et à aller dans cette partie du pays pour se reconstituer afin que quelques temps après ba attaquer biso. Omoni? Cela prouve la suffisance qu'il y a une complicité. Mais là, on peut imaginer, ce qui va tuer M23, il y a que le gouvernement en place, Azan a posé à la bangote.
est-ce que Balinga qui va avoir autant d'ampleur? Alors que tout le monde sait que le 1-23, le groupe Moro va classer en combat terroriste. Ce qui a attiré le militaire vers le 1-23, c'est le fait que Batoubayebi qui a bénéficié de la loi d'amnistie et puis Batoubayebi qui a brigade. Voilà pourquoi j'ai dit qu'il allait fertilisant. Il allait le quoi à Mouto, à l'ONI et le Konaye, à Zui. À Zui, bah, en gris, à Sopi, le Konayango. Ils ont fait un gars à Maïeya et Sopanasu, Yango, pour que Botamouma. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Et le gouvernement pensant que Kosala Yango est la solution, Yango Basala Kiyango. Lorsque nous en parlions, Baïbi Sabissonine, c'était du mensonge. Yozo quoi na M23, et Ali Lokuta, aux Ali porte-parole à M23 Tonengenini. Le gouvernement n'a jamais avoué ça. Mais tant que M. Mbata, qui apparaît trop bavard, oui, mais tant que M. Mbata a lobby, non, bazwa ki bango, bakotisa ki bango, bayaki na bango na Kinshasa, parce que baneko kanza ke bango baza sérieux. Alors dites-moi, ils sont arrivés ici chez nous en 2020. M23 bandit quand? Juste après 14 mois. Juste après 14 mois de M23 est banni. M23 a bandaki, Azako a avancé. Alors, le col à M23, Badali protégé par le Rwanda. Mais ce fait, c'est qu'il a coûté un abango dans le Rwanda. A décidé un abango à partir à Rwanda, dans Ouganda. Ne baye awa na Kinshasa. Naturellement, ils ont des relations avec le Rwanda. Ce qui veut dire que le Rwanda pouvait se servir de base arrière. Et ils ont utilisé le Rwanda et l'Ouganda. Yango Omoni Bango va avancer au plus vite. Le mal maintenant est alinéni. Le col a baillé big faiblesse Nabiso. En matière, il y a communication, information, renseignement. En matière, il y a opération et consort. Et bien, qu'est-ce qu'ils font? Ils créent la psychose dans l'autre camp pour que ma militaire Nabiso va dans la capacité à Kobundate. Bazako utiliser la corruption, bazako utiliser les mauvaises informations, bazako utiliser batunabiso ou bazako faciliter bango bazwa ba territoire. Ndeko nanga to dapenda sérieux. Qui peut nous garantir aujourd'hui qu'il y a vraiment des batailles à makasi ou toza komona ki bazwa nso bazako bunda penda mais bazako kate. O komona mingi zali kaka babeti esili er moro bo minisho esili bakimi bango baye ba remplacer. Ces gens là ne sont pas si forts que ça. Bazako jouer na situation ya biso. L'armée est ali une organisation de discipline. Aujourd'hui notre gouvernance est ali une gouvernance indisciplinée. En commençant par la tête tinase ba indisciplinée. Bazali na capacité ya ko pesa discipline. Or, l'efficacité de l'armée dépend du degré de discipline que l'on vit dans la carte de militaire. Le militaire a traversé de l'autre côté. Ils allaient dû dans l'absence de la gouvernance. Tout le monde a imaginé qu'il y a le remords. Comment pouvez-vous expliquer qu'un général se plaint auprès du ministre? Le chef MGIB appelle Basala qui va remis balé. Le chargé des opérations, il y a toute cette zone-là, à Yébaki. Ce qui veut dire que nous sommes là, en train d'assister à une gouvernance criminelle. Oyo Ezako empêché Bissot, Tosala Makambo, Oye Sengeli. La conséquence, il y a absence, il y a leadership politique. Leadership éclairé, c'est ce qui se répercute, au niveau de la gouvernance de l'armée. Ce sont des décisions politiques qui sont à la base, il y a fragilisation de notre armée. Bopi Meli Soda Biloko, Bopi Meli Massas, Bopi Sier Mindouki à Malongate, Bopi Sier Renseignement à Malongate. Parce que Soda Azan Akati à opération, Azaï Loko la Mouto Bache Bando. Akomona, Akoyoka,
kaka oyo batu ba olo belaye. C'est-à-dire que soda na kati azamba. Akoye ba marambele sa malibanda te. Ye azaka akomona, oye azaka akomona. Mais pour qu'il y a comme capable akoye ba, il faut que bato ba la libanda ba pesa ye renseignement. Nenge bo okende bo bato na ba okota na gauche. Bozo bango bo bosala bo bosala bo. C'est les renseignements. Et c'est ce qui fait que la communication dans l'armée est d'aller un élément essentiel. C'est notre propre gouvernement qui est en train de fragiliser les opérations sur le terrain. Bazali bango moko, bazako sala le lit contre le Congo en faveur ya ba ennemi na biso. Alors, vous posez une question. Qu'est-ce que M. Félix Tshisekedi gagne en soutenant ba ennemi de la République? Qu'est-ce que le Rwanda gagne en recherchant la paix avec l'État congolais? Qu'est-ce que la communauté dite internationale gagne en soutenant le processus de paix dans notre pays? Si vous arrivez à répondre à toutes ces questions, vous allez vous rendre compte que très souvent, nous nous posons de mauvaises questions aux vrais problèmes. Tenez, la communauté internationale veut assez que le pays et kota dans une instabilité, oye kosa la se que bakabola la zone ouest na zone est. Oye biso tout obenga ka la balkanisation. Ce qui veut dire que tout celui qui amène une idée allant dans le sens de créer les conditions yako kabola Congo, bakosa la soutenir. Parce que nous sommes les seuls. Le seul peuple au monde qui veut assez que Totikala n'a 2,345,409 km². Que ce soit l'opinion internationale, que ce soit les institutions ou les États ou les administrations des États, toutes veulent assez que le pays soit balkanisé. Nous sommes restés les seuls dans le monde. Nous sommes restés les seuls qui désirons effectivement l'unité nationale. Et donc, il faut qu'on y ait que la communauté internationale, n'a pas besoin de nous voir rester unis. Mais ce fait, c'est qu'elle a besoin de quelque chose. Chose d'angoisse Zalini. Et Zalini qui en a besoin, à ça la forcing. Il veut se maintenir au pouvoir. Et dans son pouvoir, il a besoin de l'accompagnement de la communauté dite internationale. C'est-à-dire quoi? Qu'on accepte la forfaiture électorale qu'il prépare. Pour que la communauté internationale a accepté, a toléré le forçage ou le forcing que monsieur, désolé en tout cas pour les chiens, que monsieur Félix Tshisekedi, pour que la communauté internationale a toléré, a cautionné la forfaiture électorale, oh, M. Félix Tshisekedi a ça là, il faut que M. Félix Tshisekedi cède quelque chose. Et la chose que M. Félix Tshisekedi peut céder, pour n'a qu'on s'est payé sa bango, et allié à côté, car c'est que la situation de l'Est est pourrie. Plus il y a de problèmes dans la partie Est, plus la vision et la balkanisation avance, plus vous devenez un élève modèle. Ce qui fait que M. Félix Tshisekedi est en train de jouer sa carte par rapport à cette réalité. La communauté internationale ne reprochera pas à M. Félix Tshisekedi le fait d'avoir soutenu la balkanisation de notre pays. Voilà pourquoi vous trouvez M. Félix Tshisekedi est peinard. Il n'est pas préoccupé par rapport à cette situation. Les choses évoluent. Ndengeza ko évolue, lui, il s'en fout. Parce que vous allez vous rendre compte, chaque fois que l'on récupère une partie de notre pays, Félix Tshisekedi a zakana komote. Chaque fois que Bazako a une partie du pays, que Batouana, les groupes armés, le M23 groupe terroriste, et là qu'on gagne terrain, M. Félix Tshisekedi a zalaraté. Il fait tout pour faire coïncider ce qui s'est fait là, dans l'absence naïe du pays. Ce qui veut dire que M. Félix Tshisekedi sait pertinemment bien ce qui se trame, ce qui s'est fait en dehors de notre pays.
Malamoko ezongi sibiso na ce que papa ngwanda lobaki. Monsieur Félix, c'est que a trois missions. Il y a liboso ya ko blanchir, il y a mi balé ya ko endormir peuple, il y a mi sa tezali ya ko légaliser, ya ko formaliser la balkanisation de notre pays. Il est dans ça. Il est dans ça. Il vous souviendra, lorsque l'opposition a Télémaka, je tiens ici à féliciter Kouloutou Nangaï Martin Fayoulou. Lorsque Kouloutou Martin Fayoulou a Télémaka, par rapport à un dossier à balkanisation, je félicite aussi Papa Nabiso Cardinal Ambongo. Lorsque a Télémaka, pour la balkanisation, monsieur le Gabini, ce sont des fantasmes de l'opposition en mal de positionnement. Et l'Oko les a livrés, tant que lui sera président de la République, il n'y aura jamais de la balkanisation. Mais je fais ce qu'il a dit. Ceux qui gardent les archives le savent. Or, mais je fais ce qu'il sait que Ezali et l'Oko Moko de Sama de manière méthodique. C'est-à-dire que ça ne va pas se faire du coup. Non, ça se fait de manière méthodique. Qu'est-ce qui se fait? Le M23 avance. Tout le monde se focalise sur M23. Deuxième étape, on nous amène à EAC. Après EAC, EAC prend la décision de nous amener la zone tampon. Lorsque le M23 libère un espace, la zone tampon et la zone est libérée et qu'on sera occupé par agent à EAC. Ce qui veut dire que l'État ne récupère pas l'espace et en plus le M23 va gagner du terrain. Ils veulent prendre toute cette partie. Alors, qu'est-ce qui s'est fait? Tout en signant ces accords, M. Félix Tshisekedi, tout en sachant que Nengeza Okeneza Mabe, qu'est-ce qu'il fait? Il pose certains autres actes pour justifier ce que le M23 fait. M23, le bas, ce qui va continuer à garder ma position à Bango. Parce que le gouvernement a benga ki ba mercenaires russes, yango bango baza ko continuer ko frapper, baza ko continuer ko gagner espace. M23 za ko ebisa na batu, à partir à ba réseaux sociaux que voilà, bazali capable yako ko matina Kinshasa, ce qui fait que le militaire qui sont là, ba ko koza bango plus serré que le gouvernement. Yango moni baza ko kolisa nombre ya batu na bango. Tous ces éléments là, ça démontre le caractère criminel de cette gouvernance et la complicité dans Bango par rapport à ce qui s'est fait. Solution, Ezakaka, peuple. Wana Ezali, question, Otoza Kobet. Bota la nombre ya Batuba Koufi. Bota la ce qui s'est fait. Beaucoup moins que nous avons effectivement un sérieux problème. Le plus grand problème aujourd'hui, c'est M. Félix Tshisekedi. Alors, sur le plan interne, désolé. Sur le plan interne, Baebisa Kibino que nos militaires sont des vaillants, le problème, nous sommes sous embargo, et voilà, la diplomatie agitante ou agitée, ou agissante, ça dépend de comment vous l'appelez, lever embargo, nous sommes aujourd'hui en mesure d'intervenir à tout moment et même de nous acheter les armes. Nous vous avons dit qu'il faut faire la part des choses. Entre Kolongola, embargo n'est pas lobby, n'a Kobunda. Même si nous achetons les armes, au regard à accord, M. Félix Tshisekedi ne peut pas attaquer les M23 dans les espaces où Bango Bayebakiam. Ndegonangaï, armée infiltrée, l'infiltration, on peut y mettre fin en quelques heures. Bobo Sanaté, Laurent Désiré Kabila, avait des Rwandais, des étrangers chez nous, il eut fallu Kassa la Kaka, une simple déclaration pour que tous ceux qui se reconnaissaient des étrangers quittent notre armée. Ça n'a pas pris beaucoup de temps. Ce qui m'a moni, ma kambouya infiltration, c'est justement parce que ma komiko s'accommodé, ma komiko mona yango est komi normal. On peut mettre fin à l'infiltration en peu de temps. Lorsqu'on va demander à notre armée de chasser tous les étrangers de notre armée, les militaires de chasser tous les étrangers de notre armée, la population va s'y impliquer et je suis sûr que Okima. Peut-être ils vont réagir après, mais Okima. Et d'ailleurs, Bobeta Souma sur l'infiltration,
parce que ce beau terrain la nomination a fait ce qu'il dit. Il y a des gens qui ont la nationalité douteuse. Bobo ça n'en goûte. Nous sommes en face d'une situation qui est désireuse par ceux qui sont au pouvoir. Il nous revient à nous maintenant de nous poser la question, pourquoi M. Félix Tshisekedi a préféré trahir Bisso Bandeko Naye, kakapo atika na Bokondi, kakapo afana na kiti ya Bokondi. Et le nino to salaye, o e komiti na niveau ke, a préféré à moi la Bandeko Naye, Bisso ba okufa, pe afandi kimia. Pe afandi kimia. Nana goyo koyoga ke Ndeko Naye aza na pasi. Mundeko Naye aza na pasi ya makasi. Aza entre la vie et la mort. Po fandi kimia. Po zo lia. Ozo mela po fandi kimia. Non. Il faut zaka moutoumo oza amoute ma makasi. Mite ma makasi mingi. E ou taka na babi loko yo. Di simba ba marambe bebe. To kota na detay te meto yito lo babwe. Peuple congolais, il n'y a pas d'autre solution. Yonde oza na kle. Et là, monsieur Torito Lobabwe, on vous dit que l'État congolais est devenu plus riche qu'avant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec un budget de 16 milliards, on est en mesure de nous équiper en munitions, en armes, et surtout que l'embargo a été élevé. Mais, Mindoukio Basombaka, Oyo Mindele Babouya Kekota, Tofutara de Ambongoti. To futaka déjà bon non siko eloko ni ezo sala ke minduki wana eyate eloko ni ezo sala ke minduki wana ekota na mboka te parce que ba ebandaki déjà koya et comment ki ne na niveau yo moyen kota te parce que ba boya ki parce que ebonga ki toza ki na mécanisme ya notification le quoi mécanisme ya notification elongwe et que le fournisseur est toujours là pourquoi minduki wana yete autant ba turc ba tindaki Babylon, on a vraiment avec équipement Mike. Oh, Bayak. Et les canatés, tout le monde a vu. Et là, on est aux Zanga. Minduki, on a beau foutre la mombongo. Et ya. Oh, ce qui Minduki, on est yé. Et qu'on soit armé, la biseau est bunda. Ce qui Bango, on va yé, bike. Minduki, la biseau est commis. Bah, cela, la biseau, bah, l'aller suffisamment motivé. Bah, qu'on ba pe. Bah, après, bah, t'as ma bombe, t'es balo, bah, qu'on va attaquer, kak. Bah, qu'on kebe. Le col a pété, toi, yé, bi. Que ce sont les Rwandais qui nous attaquent. Si réellement toi n'as pas ça, y a aussi sa situation wana. N'a pas besoin de formule mon simple. Pourquoi Bisso devrait qu'on attaque Gisenité? Pourquoi Bisso devrait qu'on attaque Bamboko et Zinga na Rwanda té? En ce moment-là, la population va se déplacer vers les grands centres. Tant que Mususu na Boepe, le Rwanda sera asphyxié et probablement que ça va créer des solutions pour nous. Qu'est-ce que le Rwanda fait? Le Rwanda a trouvé des stratégies. À la côte de la M23, na ba zone opérationnelle, où il y a la que, ba pekisa, ba bien de première nécessité, où il y a un ba produit agro-pastoral, et kotaka, na côté à Goma. C'est-à-dire quoi? Ba la kolunga ba asphyxie Goma. Ba sa la que, biloko ya kolia, et koma na pasi na Goma. Goma, koza na problème, ya koza ba madesu, ba pomme de terre, ba produit agro-pastoral, pour qu'à ce moment-là, la population soit comme asphyxiée, la population a comme un akanda, afin que tant que vous avez un peu la population a déjà divisé. C'est ça la stratégie au Baninga Bazo Sala. De notre côté, qu'avons-nous? De l'autre côté, qu'est-ce que nous faisons? Qui peut un peu nous expliquer ce que M. Félix Tshisekedi est en train de faire? Parce que chaque jour qui passe, nous perdons de l'espace. Chaque jour qui passe, Batouana Bazak aux influences. Nous avons assez de moyens. Pourquoi nos militaires n'ont-ils pas de rations? Pourquoi nos militaires manquent-ils d'instruments à Misala? Soda a un aposaka à Yabikite. A ming ming na posa à Mindouki. Mindouki est dans la tine à Tessou et dans la massacité. Et l'on dit les gens aux Zanga Bisso pour que tous à l'heure même, il y a qu'on résout notre problème. C'est justement parce que les dirigeants congolais ne considère pas la situation de l'Est comme une priorité. Aujourd'hui, on nous dit que l'État est devenu plus riche qu'avant. L'État congolais, l'élo, sera le mot l'État 4 milliards de dollars à tienne armée, à quoi capacité. Parce que déjà, à Coca qui convivre avec un budget à 3 milliards 500 millions.
Ce qui est l'eau, à l'ongoli 4 milliards sur 16 millions. À l'otika, on a 12 milliards et qu'on a un problème, t'es. Ata soki ba kolobake ba ozana capacité à mobiliser 16 milliards té. Mata soki ba ran capacité à mobiliser 11 milliards. Soki ba longoli 4 milliards. Na 6 na 5 7 milliards etikali to ko fonctionner té. To ko fonctionner. Mobu kondo mobuta jeramboko avec 300 millions. Qu'est-ce qui manque à ce que to zoa minduki to mobiliser jeunesse na biso to mobiliser notre armée, to bunda to sili sa situation, nyon so to za ko vivre. Nyon so an eza ko lakisanin. Eza ko lakisake nenge to okende. Ba soa diza ba kozina bino ba komi lo kwa mpuku. Aza ko soa yo, aza ko tia mou pepe. Ba lo sa la bino mabe, me ba boi ke boyo ka pasi makasi. Azo tia mou pepe. Mou pepe wa tia pwani, po a boi so ki yo la muki, ya kozanga poso ya kolia akati ya kanyoli wa leo poso ya mbusuni ya lokolo apa rocha mupepe rocha mupepe peple kongole afandi metango wola mukana tongo okocha makona sete mboka na biso za ya kokufa baza kobomela biso mboka tofandi ha papa le koloba magambo na te nikolo feise ke la komi lokola nguma soki nani nkoya zoki aza po ya kosala tu keba bakokanga bakoboma eh tobanga ko banga tobanga okufa shulelo bande ko msuku tobota mana bango bakufa aka na maternité bamsuku bakufa aka na katalibum ngonga ko banga ko kufa yango esengeli na biso to ebisa peuple congolais vérité peuple congolais situation to vivre lelo ezaka po yo za ina molimo abia ya oza ya molimo akolala oza jolo oza penda nenga alingaka yo zate esengeli na yo otelema boti ka kotia confiance na votre classe politique. Les politiciens congolais va se compromettre tellement que ils sont en train de faire les lits, de jouer le rôle d'accompagnateur. Ils sont plus focus sur la problématique et le processus électoral qui est déjà biaisé d'avance. Et Sengeli na bisoto sangana. Tous ont le monsieur Félix c'est que toti na une retraite anticipée. Ce qui to sali angote ndekolangaye. To komema kulusu. Nous allons tous porter les stigmates, il y a responsabilité, parce qu'il faut jamais oublier que nenge tozali lelo, tozali na problème, il y a désarticulation de notre État. Il y a effondrement de la nation, de l'État. Et senge na biso to sala engele, mboke eke ne mabe, makambu, et sala mabe makasi. Sur le plan interne, pour que tozala sûr que tozali ko gagner bitumba, et Sengé na biso, tous en a une armée disciplinée. Cette armée disciplinée passe aussi par la lutte contre la corruption. La corruption est comme qu'on gangrène notre société. Il n'y a que corruption. Il n'y a rien. Et là, on nyonso. Et là, on nyonso. Yamabe, neza ko salema. Il nous revient à nous, peuple congolais. Tous en a en même yako résoudre notre problème. Faisons, fournissons beaucoup d'efforts. Tout ça là, vraiment effort pour que tout là en mesure de résoudre notre problème et de manière pérenne. Si nous ne le faisons pas, nous serons tous condamnés. Nous serons tous condamnés, désolé en tout cas. Nous serons tous condamnés et dans cette condamnation, il nous sera très difficile, n'est-ce pas, Yako? Il y a qu'au résoudre notre problème de manière pérenne. Voilà pourquoi nous vous disons, partout et Sika Bozali, tout ça là est fort, tout ça là vraiment est fort pour que le problème congolais est à la résolue et ça ne sera que justice. Parce que n'oubliez pas que nous sommes en train de nous battre pour notre pays. Il y a qu'au battre là. En tant que nation. Bande konangai, oyo alingi kobenga, abenga biso,
na plus 243 97 034 58 78. A vous la parole. Bokoki kobana déjà kobenga toza kozela bapel na bino. Voilà. Oya zaina na likambo ya koloba. Vous pouvez appeler même pendant 3 à 5 minutes et comme ça vous allez interagir pour que toyeba ko avancer. En attendant, yambaba appel na bino. Je voudrais d'abord nous dire que nous avons un sérieux problème. La corruption et la kobomabiso sur le plan interne. Est-ce que vous pouvez vous imaginer? Désolé, en tout cas, il y avait un petit souci à connexion. Le fournisseur de l'armée, Batunyon Soyo Bazako s'intéressait sur des questions de notre pays. Batunyon Soyo Bazako a intention à quoi apporter leurs apports, Bazako connaître beaucoup de problèmes. Est-ce que vous avez imaginé le fournisseur de l'armée, Bazako Senga Bango ba commission pour que ba fouta Bango Banyon? Aujourd'hui, dans notre pays, la corruption est commis au gangrené. La corruption est commis mabé dans l'armée, partout. Voilà, je crois que vous avez appelé à allô? Oui, allô, cher honorable. Oui, bonjour. Toza en direct, Ozo Leka en direct na Facebook, na oui, YouTube. Je vous appelle depuis le Burundi. Je vous appelle depuis le Burundi. Je suis congolais, j'habite au Burundi. Okay. Je suis ravi, je suis en train d'écouter votre émission, c'est très intéressant. Commencez d'abord à vous présenter. À partir de votre nom, on aura déjà une idée. Votre nom, s'il vous plaît. Oui. Mon nom, je suis ingénieur Salamana Munyukade. Oui, est-ce que vous m'attendez? Ok, vous pouvez évoluer. Oui, j'ai attendu vraiment, bon, vous êtes en train de toucher certaines points vraiment tellement pertinentes par rapport à la situation préoccupante ou la situation dont nous constatons dans notre pays. Vraiment, je suis ravi, mais et ma préoccupation est celle-ci, parce que moi, je suis en train de, j'essaie de voir, nous avons à peine 22 ou 23 vies que nous sommes en train de voir sur votre chaîne. Alors, pendant que ce soutien qui allait être peut-être lancé pour les 100 000 aides que nous avons et qui soit aussi éveillé, qui soit informé par rapport à dommage comme le pays va mal. Dommage comme le peuple combat la guerre. Alors, ma préoccupation à vous, cher cadre, au cadre, par rapport à cette vision, par rapport à ces peines que vous êtes en train de vous peiner, quelle est votre contribution? C'est ça, contribution par rapport à cette situation qui nous préoccupe aujourd'hui. Parce que c'est considéré que la majorité des peuples congolais, ils ne sont pas au courant, ils ne sont pas au courant de cette situation, sont en train seulement d'écouter qu'il y a un problème à l'est du pays, mais comme ils n'ont pas même l'accès à l'internet, parce que c'est là que nous avons trouvé que la majorité, donc c'est une site donc, qui facilite aujourd'hui une information à circuler dans un laps de temps. Mais alors, moi, quand j'écoute avec donc vos arguments, je suis vraiment très ravi et fier de vous. Et alors, j'aimerais seulement demander votre contribution par rapport à cette situation. Est-ce que c'est seulement nous diffuser ces points pertinents comme ça? Et est-ce qu'il n'y a pas une autre préoccupation que vous pouvez aussi donner par rapport à cette situation qui nous préoccupe dans notre pays? Merci beaucoup, cher Honorable. Je suis là, je suis en train de vous écouter. Ok. Merci, merci à vous. Je crois que vous avez tous suivi la préoccupation ou les préoccupations de notre concitoyen. Premièrement, je tiens à vous dire, pour toute action, ce qui est plus important, c'est la conscientisation. Nous sommes en train de conscientiser notre peuple. Parce que la solution est la meilleure, ne pourra venir que de ces peuples-là. Ne pensez pas que lorsque nous entrons en guerre, contre un pays, il n'y a que les militaires qui se battent. Non, il y a de ceux qui cherchent de l'eau,
d'autres qui cherchent le munitions, d'autres qui transportent tout ce qu'ils ont comme matériel, eh bien, chacun joue sa partition. Notre rôle, c'est de conscientiser notre peuple. Parce que le problème n'est pas seulement dans ce que vous voyez dans la partie Est. Le plus grand problème, c'est ce qui s'est fait ici, à Kinshasa, et plus précisément dans ce que vous appelez le palais de la nation. C'est là où on prend de mauvaises décisions que les autres ne font que vivre. Notre armée est en train de subir le politique incohérente de ceux qui sont au pouvoir. Et donc, nous devons d'abord commencer à sensibiliser notre peuple, qui reste jusqu'à preuve du contraire le souverain. Il faut que le souverain puisse prendre la bonne décision. Et je crois que la solution que nous pouvons préconiser pour l'instant, c'est de changer le commandement. Il faut que le commandant en chef qui est défaillant soit mis de côté. Si nous ne le faisons pas, nous risquons de faire du surplace. Parce que c'est là où on prend des décisions qu'il faut commencer les changements. Vous ne pouvez pas demander à la population d'agir dès lors que l'État congolais voudrait assez que les choses se fassent selon un certain ordre. Voilà pourquoi nous disons, comme le gouvernement est défaillant, comme le commandant en chef est défaillant, qu'il faille d'abord commencer à discipliner ces gens-là qui accèdent au pouvoir. Et comme ça, on verra la suite. Parce que si vous avez un président de la République qui est à même de prendre de bonnes décisions au bon moment, qui privilégie le problème sécuritaire au-delà de tout autre problème, ça va déjà être une solution. Parce que si vous prenez l'argent que M. Félix Tshisekedi dépense par voyage, ça peut déjà nous aider à soutenir notre armée. En réalité, il n'avait même pas le droit de se déplacer tel qu'il est fait aujourd'hui. Justement parce qu'il sent qu'il n'y a pas de pression. Peuple Ndemokolo, le souverain reste le peuple. Ce qui peuple a télémité, Mbokao toko tourner en rond. Conséquence Nango et Zali néfaste. Parce que la nation se meurt, l'État se meurt. Il faut que Batubazala. Après, on a vu sur Zali, il y a conscientisation. Il y a qu'on conscientiser la population, il y a qu'on conscientiser notre peuple. Ce qui fait que le lot, Totché Bavi Nabi soit en danger parce que nous sommes en train de dénoncer, mais aussi d'encourager la population. Il y a que ça, la nyonce pour le changement. Il a une femme rwandaise dans sa chambre. Vous parlez de qui, là? Qui a une femme rwandaise dans sa chambre? Qui a une femme rwandaise dans sa chambre? Vous parlez de qui? Hein? Neko Elpich Akitoko. Qui a une femme rwandaise? Moi. Moi, j'ai une femme rwandaise dans ma chambre. Qui? Le frère qui vient d'appeler. Qui? Faut préciser. Et vous créez confusion. Ah, voilà, nous, Davis. Non, ok, voilà, je crois que Ezali et Sengopo Nabiso, que chacun de nous aille bako conscientiser chaque Congolais ou Ezali devant yé. Toi yé bako conscientiser, parce que si nous ne le faisons pas, nous allons tous porter les stigmates de la responsabilité. Ndegonangaï, peut-être que les gens ne le savent pas. Il n'est pas facile dans ces pays, dans cette ville, de faire l'opposition. C'est très difficile. Difficile pourquoi? Parce que degré d'agressivité, degré ya makamunengeza au salema. Vous ne pouvez pas avoir l'idée. Peut-être que ma mona abisoga to tambola. Ma menace, ma makambo toza ko vivre. Et ça est très difficile. Est-ce que vous imaginez le lot? Oroko za oké na matanga. Matanga na bino, hein? Mais bah ta famille bah au bang. Bah au Kansaki à tout moment on peut t'arrêter, à tout moment bah bandi wana ba ya kana ba parti wana ba goya ko menacer ba mo. Bah là bah na il faut ça les faut okende, côté aux forces ceux qui sont ngolé yaka, côté aux militants ceux qui a fakala ya parti ba yaka. Nous vivons ce qu'osa esprit nous allie à guérité. C'est très difficile. Peut-être les gens ne le savent pas. Vous savez combien de jeunes aujourd'hui qui se présentaient comme le membre de l'opposition aujourd'hui, bah, comme il est au service, il y a pouvoir. Vous avez dit combien de gens qui ont été liés à l'allié. Vous avez dit que vous avez supporté. Tout ça pourquoi?
parce que la population aza causé la nzamba sala. Non, nzamba voya ko sala marambo ya kongote. Dieu a déjà agi. Apesibino mahele qu'il faut. Apesibino makoki qu'il faut. Agissez. Soki bo agite, bino moko nde bo supporte. Vous me gana ko imaginer, fait ce que la ndimi. Ba mindele ba zwa, ba sala o ba mba lingi, ba panza mboka na biso, une bonne partie ya mboka eza la gérée par les étrangers, ba kagame wana ba réussi kou na bango, fait ce que la tikali président, et de ce côté, il va gérer quoi? Il va gérer le reste du pays. Parce que Azali soutenu. Ceci n'a Azali. Bati kaye akende, 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 akende. Oh, Mundela Zalaga, soki o sale liye bolamu o ya lukaki. Il peut te protéger pendant un moment. Voilà pourquoi vous trouvez dans cette Afrique, dans ce continent, il y a des personnes qui ont fait 3, 4 mandats et même au-delà, qui ne sont pas inquiétées. Parce que Bazali, bah, élève Bazako apparaître des élèves dociles. Mais on a un numéro, Benga, plus 243, 81, 250, 28, et plus 243, pardon, 97, 034, 58, 78, 97, 034, 58, 78. Benga biso na WhatsApp, okoza na la possibilité à co-participer na analyse toza ko sala ensemble avec vous. Et puis très bientôt là, on va clôturer parce que tout ça l'est déjà assez pour aujourd'hui. Et nous vous promettons toko zongela le point en matière d'économie, en matière sociale, en matière d'organisation et d'administration. Et comme ça, ça va nous aider. Yako yeba tout ce qui s'est fait. Je tiens d'abord yako lancer alerte. Alerte ezali yangoy. J'ai pu mettre la main sur deux listes yangoy. Omoni sur deux listes yangoy. Première liste, deuxième liste yangoy. Il y a une structure au sein du ministère du Plan, Comité national de l'eau et de l'assainissement, CNAEA. Comité national de l'eau et de l'assainissement, CNAEA. Les agents de ces comités, d'abord, le comité a été créé par un décret. Yango nezali chargé à Kotala makambuya eau potable dans le pays. Ezali comité une structure où ezali ko dépendre sous tutelle la ministère du Plan et les autres ministères sectoriels. Na opé sa numéro sikoyo de Kozoa plus 243 97 58 78 97 034 58 78 Rukobeng. Ces départements du ministère du Plan bangonde ba s'occupa kana eau potable pour tout pour toute la République na liste oyo. Et ça les ma peau na batu ba futama. Na moni na liste wana le nombre ya batu total effectif. Désolé, il y a un petit problème de connexion. Sur la client bango bazaki na effectif na bango yango yawa. Ils étaient un nombre de 35. Na ministère ya Plan. Et là que ça surprenant ba komi plus de 60. Baza ko futa bango. Baza ko futa batu au-delà ya nombre. Baza ko futa bango au-delà ya nombre ya soutu et salami. Pourquoi? Parce que ba konzi,
Babaki si ba liste. L'argent est en train en termes de millions. Au-delà enveloppe au l'État yebi. Bazako bimisa près de 49 millions de francs congolais chaque mois. Na liste na bango o babaki si pour a commis plus de 60. C'est-à-dire que l'État a zako enregistré. Désolé, il y a 49 millions de francs congolais au l'État a zako perdre chaque mois juste na un seul service oyo. Comité national de l'eau et de l'assainissement CNAEA. 49 millions de soupes chaque mois. Et là, c'est surprenant. Nakati Nabango, on a trouvé, il y a des noms, il y a Batumusu Subasalaga dans d'autres départements. C'est-à-dire que Moutouma a aussi la cumule de fonctions, alors que les jeunes Congolais, Baolou Kamisala, mais au moins, même Moutouana, alors que ça, na ministère, y a plan, le même Moutouana, a aussi la ministère, y a beau. C'est-à-dire que Moutouma a aussi la cumule, y a la fonction. Je tiens à dire à M. Félix, c'est que, aux accords entretenir confusion dans l'État, pour battre l'union sur Babanga Kayo. Mais aux autres, ça n'a que l'État, il a horreur de la corruption. Il a horreur du dysfonctionnement parce que plus la corruption gagne du terrain, plus l'État se meurt. Aujourd'hui, ces listes, on va exploiter ça la fois prochaine. On va vous démontrer comment les réseaux est allés organisés par plusieurs ministres. La personne qui assume la fonction du ministre du plan aujourd'hui, Aye Bakayango que Toza Koya prochainement, on va décortiquer ces dossiers et on va vous mettre tous mal à l'aise. Parce que ce n'est pas normal. Pour ce qu'on calculait 49 millions. Oh, boy, vous avez manqué à l'État, kaka pour un seul mois. So, tu multiplies en gros par 12. Tu multiplies en gros par le nombre d'années. Oh, bah, toi, n'a pas bénéficié. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. En tout cas, je suis désolé. Il y a comme on a que M. Félix Tshisekedi a là qu'on entretenait bah criminel économique, bah criminel financier, juste parce que il a l'intention de se maintenir au pouvoir. Comment voulez-vous expliquer une structure qui a été créée par décret, le nombre a battu Ezali, les fonctions assumées Ezali. Aujourd'hui, bah comme on a 65 au lieu de 35 qui a départ. Ce n'est pas sérieux, hein? Et ça, vraiment, Mawa, en tout cas, on ne peut pas compter sur des gens comme ça. Voilà pourquoi vous trouvez, même dans la situation à guerre, nous avons des sérieux problèmes. Nous n'arrivons pas à bien gérer la question. Pourquoi? Parce qu'il y a des tirets de ficelle. Batubazo linga, ko salamakambu, justement, pour qu'on s'enrichit au détriment de la population. Voilà, ndeko sokin de gomusu so a senga ki numéro, Alingi a intervenu. Et vous allez bien. Chaleureuse salutation, grand frère. Merci beaucoup. Merci en tout cas à vous tous qui avez envoyé des messages. Merci beaucoup. Waouh. Boza, en tout cas, ebele. Apparemment, même le nom, il y a Batumusu Sunazo Mona Batumotin dans le message. Apparemment, vous n'avez pas comme on a bien entendu. Merci beaucoup. Je crois que l'essentiel est fait. Non, si on revient avant, on va voler. Le va avoir miyibi. Au voleur, il y a des malocos au Kumisabamo. Ce sont vraiment les détourneurs. Comment voulez-vous le ministère du plan, là où on conçoit le politique public, là où ils sont chargés de mettre en place le politique public en matière de dessert en eau potable? Toi, on a problème, il y a maille. Voilà, en tout cas, désolé. Il y avait un problème de connexion. De mon avis, on a bien gardé, on va voler. On a volé mal au quoi, aux autres coups, mais ça va. Bien gardé, on a miibi. Miibi, on a bien. On a comme on a bien gardé, on a voulu intervenir pendant quelques minutes, et vous allez bien, pour tout ça, la keto. Voilà. Thank you.
Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Bonjour. Oui, on est en direct sur Facebook et sur YouTube. Vous voyez qu'on est intervenu. Allô, bonjour. Bonjour, Kati. Ok, on va voir le bande de le bas, c'est quoi? Toujours le Ah, parce que moi, je suis Roland Nonga. J'appelle depuis l'Angola. Ok. Ah, merci vraiment, Limosona. Na magambo bozo salari bozo contribuer te bozo réveiller patience et conscience ya peuple na linga ki na participer na lobabweke c'est tout sur les questions sécuritaires au lobaki ne bandeli pona basoda na biso na mboka vraiment président ya république ce président ya république akabi mboka papa M23 bakoya na kisasa te bato babosa na yango Vision et Zaliba seront à partir à Est et Wana Nyonso. C'était la même vision avec les Akina Afdel. Ce qui nous a dit, c'est pour la Kalisnae. Et la même vision a maintenu au président Félix à Tekimboka, à Rebelle, à Bakani, à Wana, et puis à Otika, à Wana. Rwanda a fait appel aux réfugiés et Zaliba a bâti sa nombre à Basoda, parce que la majorité des réfugiés sont pakistanais, des afghans, des douaniers, des armées, 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 des Et Keïté, Yenda Kaïse, Togo Bunda, Togo récupéré. Parce que M. Félix Seke n'est pas propriétaire du Congo, Togo Bunda, pour que tu récupères ma belle à Bako Konabiso. À moins de vous souper à Bengaki, tu rappeler à PSAP point de vue Naé, et ça ne sera que justice pour à Bengaki. Allô, Ndeko. Allô? Allô, bonsoir Ndeko Alain. Bonsoir, bonsoir. Comment est-ce que vous êtes parti à Wapi? Elle pisse à la benga kayo awa na kini. Ok, pesa li kanisi nao. Bon, au moins, kaka na oti ko landa Ndeko moko oti ko leka awa Ndeko Alain. Bato oyo ide na bango ezate ya bango koya na kini. Bango objectif na bango ezaka basa yode ya mze oyo ba Rwanda na ba Uganda ba koma tina nivu ya kisitanga ane donge ba pao kipe ituri mkibi ozoka sko problem moko eza ba konzi na biso ebele ba zaba enfil na kanisi yo moko olandaki audio o ya ministre na biso ya defense wana pe wana za mutu moko akotale la e bien bien ozoka parce que echelo ya batu nyonso oyo ba travaille na ba rebelle ata mukolo moko te bakozala pour biso bakozala 4 bis donc baza ba infiltré il faut qu'on s'y Tout le monde a été en train de se faire. Détermination na oyo ozali nango wana ezosalisa bato bato neti bino se bokomi mibale misato 5 6 10 personnes na kati ya mboka awa j'espère que non makambo ebele eko changer eloko yango na koyebisa yo courage toza sima na yo quelque soit toza minorité mais un jour tokokoma majorité nzambe apelisa e façon ya kolibere mboka oyo kopenga na bato oyo nyonso oyo barebele na bacomplice na bango oyo baza na kati ya guvernema ya sika na régime mobimba oyo kobalaye yango na classe bato nyonso oyo basalaki na Joseph Kabila kolongola bango to
ta classe mosusu ya sika kote mona kati ya biso. Merci beaucoup. Merci à vous ndeko na ngai, merci esika ozali. En tout cas, merci beaucoup et je crois que tokomi nasuka so peut-être ceux qui mutu mosusu alingi ya sala à ça la commentaire, mais ce que moi je veux nous dire, ne perdons jamais espoir. Parce que au moni batuana bazako za makanisi akolongo la biso to baké non et c'est si lit balongi biso té ngai tant que misu nangé ko kangama na nzambe ye moté na o continuer ko bunda au moni batu ba ko lobo ba ko loba ata soki kongolé nyonso alali aboyi likambo na tiki na otika ambo jamais obi ponani. Ba papa na biso ba bundi ba tike biso héritage à 2,345,409 km². Un groupe de bandits va s'organiser, ba lui va boite la biso ma belle. Ah, et le quoi ba jouer déjà esilité. Oh, échec na biso e koza la soki to kangi maboko, soki to ndimi situation wana e kokoma bia aye, ba perdre espoir. Non, nous devons nous battre. Ata soki biso to longa bitumba wana te. To préparer population na biso bala na biso ba longa yango ata après 100 ans au moins les locaux Bernard pasteur et Koufa le baka ba ko met ko bosa na ngo wanda yaka ko jwa na yo mais un jour bala na biso ba kuya ba kuya ko récupérer parce que notre fierté nationale en dépend, notre survie en tant que état en dépend, notre survie en tant que nation en dépend. Mais quand vous imaginez Kasavubu Mobutu bazaka ba autodidacte ba Lumumba, ba papa Belewana, ba zaga mingi ba étudiant, ba tout ça. Nenge ni mundela longa bangote, a longa biso le. C'est quand même surprenant, hein. Toze belé koleka bango, to tanga mingi koleka bango, mais bango ba zaga ki ferme. Ti na niveau ke ba boyi mundela ba proposition na ye, ba ndimi ba maintenir biso na 2,345,409 km². Biso to ande ba héritier, to bénéficier ne na o ba boti batika. Mais biso to okoka ko bate la te. Ezani. Ndeko na ngai yebisa bana na yo. Yebisa ba ndeko na yo batu nyoso zaka na bango esika moko. Balongwa ko balongwa na kolala. Ola muka bolamuki me boaka alikola mbeto. Il faut botelema. Yango au moins je te le bara toujours article 64 ndé la fin. En tout cas, merci beaucoup. Na bino nyoso bo intervenir. Je crois le lundi tokokuta na soso soki makambo etamboli ndenge esengeli tokokutana pona information bakangaki notre jeune frère Manix Yenda bakangaki lelo bamemi ye epaya ba bon bato ba se présenter le quoi ba agent ya sécurité en civil bakangi ye bamemi ye soki wapi bato ba yebite Toyogaï Kadaki, Badaï n'a pas plainte, moi, va déposer contre lui. Et j'espère que, dossier en est que la justice, ce n'est que la justice politique. Mais nous condamnons son arrestation. Et nous pensons que, les institutions politisées doivent apprendre à se ressaisir. Parce que, à force, il y a que Kangara Batu, et là, qu'on discrédité Bino davantage, et puis là, qu'on discrédité le pays, nous sommes dans un état démocratique. Dites-lui pourquoi Bakangiye Ayeba a été en contact avec ses avocats, parce qu'il a droit à ça, c'est constitutionnel. 48 heures après, beau déféré devant son juge naturel pour que Makambu Essa et Mama Ndenge Sengeli. Ndekonangai, je crois, et Loko Ezali Makasi Ponabiso, nous ne devons pas abdiquer à notre responsabilité. En tant que peuple souverain, nous devons continuer à nous battre. Même si toute la communauté internationale est contre nous, il y aura toujours une brèche, il y aura toujours une solution. Exploitons toutes les voies possibles pour que tout résolve le problème. En tout cas, compatria, merci beaucoup et à la prochaine. Bye.